Mon sauce, allons appuyer sur ce magnifique gourou serveur tout mou. Un tentatif de gourou joli choix pour appuyement. Oh mon Dieu, nous appuyons dessus. Oh, que c'est mignon. Retrouvons sur une jolie map qui s'appelle Drôle de Drame. Alors, ce qu'on va vous faire, c'est de vous gamme machin. Alors, je vous présente la map de Biloulette et de Pink de la série Drôle de Drame. C'est en effet une très vieille série qu'elle a fait il y a très longtemps. Je sais même plus sur quelle version ils ont fait ça, mais c'est vraiment une série qui est très très vieille. Et du coup, une très très vieille map. Merci de me pousser, hein. Mousse-mousse-toi. Allez, mousse-mousse-toi. Donc c'est vraiment une très vieille map, hein, tout mou. Voilà, je suis sur mon ronron tout mou. Ça servait à rien, bravo, tu sers à rien. Merci. Oui, c'est ça, pousse-moi. Oh oui, pousse-moi par le cucu. Voilà. J'aime pousser quand on me pousse le cucu. J'aime ça. Non, j'écoute. Le cucu. J'aime ça. Avec de la mousse à côté de moi. J'aime dire des conneries aussi, comme vous avez remarqué. C'est pour de rire. C'est pour rire. Bah, c'est pour faire rigoler. Donc voici ces magnifiques zones. Donc comme je vous l'ai expliqué, voilà, c'est Biloulette Drôle de Drame. C'est quoi ça? Bah. C'est vide cette pièce. C'est de la merde. Je me casse. Putain, vie. C'est chez toi? Bah, dégage. Ah non. Excuse-moi, je pensais que t'étais à l'intérieur. Ah là 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 là. Allons à l'aventure de la découverte. Visitons cette map tout mou. Quelle magnifique vitre, quel magnifique mur fait de mousse. Très joli quelque chose. Je cherche le nom. Là, vous avez une entrée tout mou. Et du coup, on arrive chez Bilou. C'est marrant parce qu'il me semblait qu'il y avait une autre map tout simplement. Donc ici voici, je vais vous montrer tous les étages en plus rapide, en accéléré. Donc vous en doutez que voilà, il suffit de monter et d'aller vite, il suffit de faire ça et voilà, on arrive au deuxième étage où on dort. Donc voilà, là où on dort, c'est le lit tout simplement. Vous savez, les meubles. Donc j'ai fait des modifications parce que vous en doutez que le bois écorché, donc c'est ça le bois écorché. Ça n'existait pas dans cette version là de l'époque, donc j'avais fait des modifications justement en 1.13.12. Pardon, je dis des conneries, en 1.13.2, parce que en fait ici je suis en version 1.13.2, hein, pour information. Donc là vous avez de l'eau, je me lave, regardez, moi je suis dans mon bain. Quel magnifique bain. Ouh, on est bien là, on est bien. Voilà. Mais ça sert à rien. Voilà, c'est... Alors oui, en effet, avec mon pack de textures, voilà ce que ça donne au niveau des demi-dalles, escalier, ça fait bizarre. Mais c'est pas grave, moi j'aime mon pack de textures tout mou. Alors, voilà, ici, qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi aller. C'est la suite? Hein? J'ai vu un ronron. J'ai vu un rominet. Oui, donc ici c'est pareil, hein, j'ai fait des modifications, merci, pousse-moi,
Oh oui, continue. J'adore quand tu me pousses. Du coup, voilà, vous voyez que c'est plus du tout les mêmes trucs. C'est vraiment parce que j'ai fait la modif. Donc, c'est tout ça, c'est Bibulette qui l'avait fait à l'époque. Mais moi, j'ai remodifié, donc c'est encore mieux qu'avant. Parce que c'est avec des trucs modernes. Sauf là, par contre, là, j'ai rien touché. Ben voilà, ça reste la création de base de Bilou, hein, attention. Donc là, vous voyez un peu ce qu'il y a. Donc voilà, un peu ce qu'il y a sur ce serveur, hein, bande de petites mousses. Alors, si vous arrivez derrière le truc, vous allez voir ça. Ça ressemble à rien, mais en fait, c'est censé être un temple chinois ou japonais que j'avais fait à l'époque. Ou autre, je sais pas. Mais voilà, c'était une petite anecdote de construction que j'avais essayé de tenter de faire, que j'ai jamais terminé. Voilà. Alors ici, du coup, on est de retour là, et on va aller rentrer par là pour visiter dernièrement ça avant de nous quitter. Voilà. Alors pour information, pour un ami, non, je n'ai pas cuté ça sur un logiciel de montage. C'est fait automatiquement avec OpenBoCra. Oui, OpenBoCra, c'est ça. OBS, tout simplement, OBS. J'utilise des touches raccourcies, tout simplement, pour le faire. Hein. CTRL plus 1 pour enregistrer. CTRL plus 2 pour arrêter l'enregistrement. CTRL plus 4 pour mettre en pause l'enregistrement. Et CTRL plus 5 pour reprendre l'enregistrement. Voilà, c'est tout. C'est juste ça, le secret. Rien d'autre. Voilà comment je fais mes trucs et comment j'arrive à cuter et que je me prends pas la tête moi par rapport à lui où il se prend la tête à devoir faire autrement alors que bah, tu pouvais très bien faire comme moi parce que tu es tout mou et que tu n'es pas fait de mousse. Arrête de me pousser petit rond, arrête de me pousser. Sinon j'ai le droit de dire à ta maman que t'arrêtes d'être tout mou. Que tu n'arrêtes pas d'apprendre. J'essaie de prendre des screenshots un peu d'informations. Peut-être en vue d'auteur, peut-être. Je sais pas trop. Bon, on verra plusieurs là, c'est bon. Hein. Je verrai laquelle que je mettrai, j'ai pas trop d'idées. Après, je pourrais aussi me prendre pas la tête et se faire comme ça. Ouais, mais on voit pas toute la map comme ça. Ouais, on verra bien. Au pire façon, je peux faire très bien une couille, hein, c'est de faire comme ça. Voilà. Mettre 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Et dans la vidéo, je peux prendre ça en screenshot et c'est bon. Dans la vidéo elle-même, et c'est bon. Donc ici, on va se quitter parce que la vidéo doit être déjà assez longue. Et comme ça, vous voyez sur quel serveur je suis ici en ce moment même. Et du coup, ben voilà, c'est mon Raspberry Pi, quoi. C'est mon serveur tout mou. On va juste vérifier encore ce qu'il y a d'autre. Donc ici, c'est il n'y a rien. Magnifique. Je suis très ému. Et il y a quoi? Si, il y a quoi? Ok, il n'y a rien. Attendez. Ah oui, c'est très très intéressant cette grotte. Ah bah quoique, elle fait un demi-tour. Hein. Ok. Ok. Ça marche. Bon ben on va se quitter ici hein, les gens. J'espère que cette petite vidéo tout mou vous a plu. Donc je vais me mettre correctement pour vous dire au revoir, hein, pour la politesse. Parce que vous êtes tout mou. Alors, j'espère que cette petite vidéo tout mou vous a plu. Hein. Donc voilà, je voulais vous montrer un peu à quoi ressemble. Et là, vous imaginez, je casse un truc. À quoi ressemble la map de Biloulette à l'époque. Avec des shaders, c'est un bon pack de textures. Donc voilà, comme ça, vous aurez vu
ça vous aura satisfait votre curiosité pour certains. On n'est pas beaucoup avec ça, hein. C'est pour ça que j'ai pas beaucoup d'abonnés, parce que je fais des trucs qui n'intéressent quasiment personne. Mais moi, ça m'intéresse, ça fait un souvenir pour moi, donc je suis content. Donc je vous dis ciao ciao, bande de trucs. Et c'est bizarre parce que je sais pas où est mon ronron. Ah, il est là. Ah merde. Ouais, il se débrouille toujours autant. Regardez-moi ça. Oup. Voilà, il est content, petit ronron, il est content. Allez, ciao ciao, bande de trucs. Fait de mousse.